Nous avons eu des difficultés logistiques, à la fois sur la présentation des vaccins, flacons de 10, je le répète, vous connaissez ces choses, mais je le redis, flacons multidoses conditionnés dans des boîtes de 500. Deuxième élément, les commandes, contrairement au charmant dessin de Plantu dans Le Monde qui m'avait représenté juché sur des caisses de vaccins, je n'ai jamais, hélas, été juché sur des caisses de vaccins. J'ai eu au contraire, sans arrêt, des difficultés d'approvisionnement. Je souhaite bon courage à mes successeurs qui auront à gérer sans doute une campagne de vaccination. C'est très compliqué et surtout ce sont des produits fragiles. Je m'étais enquis auprès d'un grossiste important s'il était possible de déconditionner ces boîtes pour armer l'ensemble des médecins de ville et des pharmaciens. Enfin, vous connaissez les réseaux de distribution du médicament dans notre pays. En fait, c'était impossible. Parce que même de déconditionner les boîtes de 500 exige d'avoir le statut de laboratoire pharmaceutique, d'avoir des laboratoires d'avoir des laboratoires réfrigérés, d'équiper les personnels et d'assurer des lotages de produits. C'était évidemment totalement impossible. J'étais donc dans cette impossibilité d'armer les médecins de ville et je le regrette. Comme j'eusse aimé pouvoir le faire.